Bonjour, on est présentement au Sigré à Paris 2022 pour la présentation d'une première mondiale qui est notre Line Drone. L'appareil Line Drone, c'est un appareil qui a été développé et qui est utilisé par Hydro-Québec depuis déjà plusieurs années. Suite à une entente qui a été signée entre Drone-Vol et Hydro-Québec, présentement, on est à la validation finale du premier Line Drone qui sera commercialisé. Cet appareil-là est un appareil unique au monde qui a la capacité d'atterrir sur les lignes en tension. La particularité de cet appareil-là, c'est qu'un coup sur la ligne en tension, il va avoir la capacité de prendre certaines mesures. Alors, Hydro-Québec est ici au Sigré cette année pour soutenir Drone-Vol qui a pris un beau kiosque pour mettre en valeur ses produits de drones d'inspection. En grande vedette, dans le kiosque, il y a le drone qu'on a développé chez Hydro-Québec au cours des 7-8 dernières années qui nous permet de faire des inspections sur des lignes en fonction avec des outils dédiés qui aident à la gestion des actifs à long terme chez Hydro-Québec. Alors, c'est un outil qui est très apprécié, qui est utilisé chez nous et qui maintenant devient disponible pour les autres utilités à travers ce partenariat-là qu'on a eu avec Drone-Vol. Donc, on est très content d'avoir l'occasion de le présenter. C'est un outil pour la gestion des actifs. Ça nous permet de savoir si une ligne qui est rendue dans sa 4e, 5e, 6e décennie a encore quelques décennies devant elle de bons services fiables. Pour le savoir, il faut avoir une idée de la tenue mécanique de la ligne. Puis le drone nous permet de vérifier des trucs qui ne sont pas détectables par une simple inspection visuelle qu'on ferait avec un drone ordinaire qui, lui, va voler autour de la ligne, prendre des bonnes images, mais nous donner seulement ce qui est visible. Alors, au-delà du visible, il y a les mécanismes de dégradation à l'intérieur du conducteur et ce drone-là est le seul au monde qui est capable de faire de l'inspection comme ça, des mécanismes de dégradation critiques. Bonjour, on est au Sigré Paris 2022. Je me présente, Étienne Martel de chez Nucleum. On est ici pour présenter des technologies sur lesquelles on travaille depuis maintenant près de 2 ans. C'est des technologies dont le développement a été fait par Hydro-Québec, qui nous ont transférées par la suite pour procéder à une industrialisation et les rendre disponibles, évidemment, à toute utilité dans le monde, tout fournisseur d'électricité. Les deux technologies sont le Line Core et le Line Drone. Les deux sondes peuvent s'attacher au Line Drone pour effectuer des inspections sans contact humain des lignes, qui est évidemment un risque non nécessaire avec le drone et qui est un grand avantage. Pour ce qui est du Line Core, la sonde, c'est une sonde basée sur la technologie des courants de Foucault, technologie assez connue dans le milieu du contrôle non destructif. Et elle permet l'évaluation de la couche de zinc sur les brins d'acier dans les conducteurs de type ACSR. Cette évaluation-là est pertinente du fait que lorsque la dégradation de cette couche de zinc de protection-là a lieu, on a éventuellement l'apparition de corrosion sur l'arme d'acier qu'on appelle du câble. Et puis cette corrosion-là, évidemment, entraîne une perte de résistance mécanique du conducteur et dans le pire des cas, peut mener à une rupture du conducteur. Si on se tourne vers le line-ohm, c'est un micro ohmmètre, en fait, qui permet d'évaluer la condition de santé des manchons. En fait, le micro ohmmètre mesure la résistance entre la connexion entre le conducteur et le manchon et puis permet de déterminer l'état de santé du manchon pour valider si l'installation a bien été faite ou valider si le vieillissement se fait normalement. Si on est dans une zone avec plus de pollution, on peut valider si ça l'affecte notre manchon. Donc, on est capable de vraiment évaluer l'état de santé de nos manchons et nos conducteurs grâce à ces deux technologies.